Enregistrez votre voix avec Audacity. Pour cela, je vous suggère de travailler avec un micro-casque. Un kit main libre peut tout à fait faire l'affaire. Il s'agira d'oreillettes pour entendre ce que vous faites et d'un micro vous permettant d'enregistrer ce que vous souhaitez. La petite prise casque doit donc être connectée à l'entrée micro de votre PC et non pas la sortie casque. Sur certains PC, vous distinguerez ces deux prises par les couleurs, le vert pour la prise casque, le rose pour la prise micro. Je rappelle donc, connectez votre micro-casque à la prise micro. Puis, il faut indiquer à Audacity ce que vous souhaitez enregistrer. Cette fonction se trouve ici, dans cette fenêtre, précédée d'un micro. Vous allez donc indiquer que vous souhaitez enregistrer l'entrée micro. Sélectionnez « Microphone ». Puis, vérifiez le volume d'entrée. Il ne s'agit pas de risquer la saturation. Aussi, mieux vaut régler ce volume à moitié. Rendez-vous ensuite sur le bouton « Rec » et appuyez. Vous pouvez maintenant enregistrer votre voix. Néanmoins, en observant le spectre sonore, il semble pas très audible. Peu importe. Nous allons résoudre ce problème en sélectionnant la zone et en appliquant un effet de normalisation permettant de retrouver un signal tout à fait acceptable. Vous pouvez maintenant enregistrer votre voix. Ces pistes audio peuvent alors être exportées ou superposées à d'autres pour différents travaux. C'était les quelques fonctions de base pour enregistrer sa voix avec Audacity.